Eh ben bonsoir tout le monde. Comme prévu, ce petit live pour vous parler des lectures du féminin sacré. Vous avez été plusieurs à me demander des conseils de lecture, les lectures qui m'ont amené, qui m'ont enrichi, qui m'ont nourri, qui m'ont amené à explorer toutes les dimensions du féminin. Bonsoir. Alors je vous ai prévu une petite liste conseils de lecture. Bonsoir tout le monde. Je vous laisse arriver tranquillement avant d'entrer dans le vif du sujet. Et j'ai prévu donc un live au sujet de ces conseils de lecture. Donc j'en ai ramené plusieurs, j'en ai plusieurs avec moi. On va voir ce que je vais avoir le temps d'aborder ce soir, de manière à ce que vous puissiez aussi avoir vos livres repères, que je vous dise un peu comment je les ai moi lus, comment je les consulte, comment je les ai intégrés. Et vraiment des livres qui ont pour moi été essentiels, qui ont été fondateurs dans mon expérience du féminin et de la connaissance de moi et de mes différentes dimensions du féminin. Et j'avais vraiment envie de partager avec vous ça ce soir. Voilà, comme on est encore là en période d'hiver, avec de bonnes soirées cocooning en perspective, ambiance petite tisane et chocolat chaud. C'est un très 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 beau moment pour se faire des échanges de conseils de lecture, mais aussi vraiment de vous parler voilà, de ces livres qui sont des ouvrages phares. Alors je vous laisse arriver tranquillement et je vous laisse venir. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire. Alors oui, j'ai le livre d'astrologie de ta chaîne derrière moi et il est accessible aux novices. Alors je dirais pas ça, par contre il est vraiment très très beau. Il a une très très belle esthétique et c'est un livre qui est très chouette juste d'avoir pour cette dimension esthétique. Donc ça je vous en parlerai une autre fois parce qu'il est vraiment, c'est pas du tout un livre sur le féminin sacré mais sur les tarots et c'est vrai qu'il est sublime. On me l'a offert récemment. Il est surtout très 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 illustré. Mais c'est à garder pour un autre live. Alors, je vais commencer par vous parler du livre qui est pour moi une référence et une Bible. Et je vous laisse arriver tranquillement. Le livre qui pour moi a été vraiment une pierre angulaire de ma compréhension des énergies du féminin et de tout ce que ça recouvre. Souvent, c'est un livre que je cite déjà dans la bibliographie de mes livres, vous allez le retrouver cité aussi bien dans L'éveil des sorcières que de Femmes souveraines. Mais ce soir, mon envie, c'était aussi vraiment de vous en parler précisément. C'est le livre de La femme Shakti de Vicky Noble. Alors, il est paru aux éditions Vega. Et ce que j'aime beaucoup dans les livres de La femme Shakti, c'est que c'est un ouvrage qui va vous donner une vision très globale et en même temps très précise des différentes dimensions du féminin. Donc il y a toute une partie déjà où avec la femme Shakti, on va parler du pouvoir du sang, notamment des menstruations, et du pouvoir du sang de manière générale aussi dans les rituels, mais aussi dans tout ce qui était sacrifice, tout ce qui était sacrifice et rituel de magie. Et c'est un ouvrage qui a aussi cette dimension recherche. Donc il y a vraiment des recherches, c'est extrêmement fouillé et développé. On va retrouver des références dans plusieurs civilisations, aussi bien dans la civilisation par exemple mexicaine, mais aussi amérindienne. On va trouver des références aussi en Égypte ancienne, en Grèce, dans les anciennes cités méditerranéennes. Donc c'est un ouvrage qui a vraiment la valeur d'être un ouvrage aussi bien de recherche, hein, qui défend sa thèse en quelque sorte, et en même temps qui est plein d'illustrations. Il a de nombreuses illustrations qui sont très évocatrices pour nous. Notamment, c'est la première fois dans cet ouvrage-là que pour la première fois j'avais vu cette femme qui fait tomber la lune sur terre. Donc on la voit en posture vraiment d'appel et d'invocation de la lune. Et on va trouver aussi eh ben, des illustrations aussi des cycles lunaires. Et moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup aussi dans ce livre, c'est qu'il y a une dimension aussi très pragmatique. Il y a plusieurs invitations pour s'approprier, par exemple, les tarots et les oracles, pour s'approprier le cycle lunaire, pour s'approprier l'astrologie. Donc, c'est quelqu'un qui était. C'est une femme qui est pour moi une avant-gardiste, qui était vraiment en avance sur ses enseignements du féminin sacré. On va retrouver évidemment une très grande place laissée à la sexualité, au chamanisme et au chamanisme typiquement féminin. Donc elle va développer dans ses livres vraiment cette dimension du chamanisme typiquement féminin. Pourquoi est-ce que le féminin est naturellement relié aux énergies
de la Terre et par extension à toutes ces connexions avec le monde du végétal, le monde minéral, le monde animal et aussi avec la lecture des étoiles. Donc elle donne vraiment des éléments qui sont des, voilà, des éléments incontournables. Il y a toute une recherche, je vous l'ai dit, au niveau historique, au niveau archéologique. Donc elle reprend plein de sources d'informations. Elle fait une grande place aussi à la danse et à la transe et aux différentes manières de connecter aussi par le corps. Donc La Femme Shakti, c'est un ouvrage qui est pour moi vraiment un ouvrage de référence. Voilà. Ça, c'est une très, très, très grande base. Vous avez aussi, dans cet ouvrage, vous allez retrouver aussi toute l'histoire des femmes oracles, des femmes divineresses. On va reparler de la Pythie de Delphes, des femmes oracles en Grèce ancienne, mais aussi en Égypte. Donc, il y a plein, 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 plein d'éléments qui sont essentiels. Donc, La Femme Shakti de Vicky Nome, c'est vraiment le premier livre dont je voulais vous parler. Et que vous allez retrouver aux éditions Vega. Parce que déjà sur ce livre, vous avez une ou deux questions avant que je passe au suivant. Bonjour, j'ai reçu la femme souveraine pour Noël. Super. Celui-là, c'est la femme souveraine. Bravo, c'est un beau cadeau de Noël. Pas de questions sur ce livre? D'accord. Alors, je vais parler ensuite, du coup, toujours dans la catégorie Vicky Noble, un livre qui est La double déesse. Qui est un livre aussi très, très, très fouillé, où on retrouve la nature double du féminin, vraiment les deux aspects du visage du féminin, avec énormément encore de références archéologiques et historiques, et que vous pouvez avoir. Alors, c'est plutôt un complément de Femme Shakti. Je vous conseille vraiment de commencer d'abord par la lecture de Femme Shakti, mais celui-ci va beaucoup plus loin. Et là, c'est extrêmement fouillé. Au niveau archéologique, vous avez vraiment plein, plein, plein de références. D'ailleurs, ça donne envie de voyager parce qu'on va aller jusqu'en Crète, on va aller jusqu'en Inde, on va retrouver aussi la dimension érotique de la déesse dans certains temples hindouistes. Il y a aussi vraiment la dimension de la femme souveraine et de la déesse comme attribut de la souveraineté des femmes. Alors moi je l'ai en anglais, je ne sais pas s'il existe en français. Femme Shakti existe en français, mais celui-là je ne sais pas, je l'ai acheté en Angleterre. Faudrait vérifier, j'ai pas vérifié. Et celui-ci c'est la déesse double, la double goddess. Donc là c'est les éditions Beer and Company. Il faudrait voir en effet si une maison d'édition l'a acheté ou l'a traduit en français. Alors ensuite, il y a un livre qui est vraiment une pépite, qui existe depuis très très peu de temps, qui moi m'a amené aussi à faire un voyage extrêmement profond aux racines du féminin. C'est La Femme Tambour de Lane Redmond. C'est vraiment un ouvrage qui est aussi une pierre angulaire du féminin, qui est une pépite, qui est d'une richesse extraordinaire, notamment parce que vous allez retrouver des références aussi qui vont être vraiment des paliers dans l'histoire de l'humanité. Qui vont vous indiquer comment est-ce qu'on est passé de la société et de structure matriarcale à une société et une structure patriarcale. Cet ouvrage, il a aussi vraiment l'avantage de vous replonger dans toute la sagesse et la poésie du féminin des sociétés matriarcales. Il y a beaucoup de références, notamment des références de femmes poétiques. On va y retrouver surtout beaucoup, beaucoup de symboles, des symboles qui sont très fouillés et détaillés. On va les retrouver par exemple la symbolique de l'abeille, donc de certains animaux totems qui sont vraiment des révélateurs de la capacité nourricière du féminin, de la capacité inspirante du féminin. Et j'avoue que pour ça, ce livre m'a énormément touchée parce que il fouille très très en détail un certain nombre de symboles et ça vous permet d'aller très loin dans la compréhension aussi du rythme de la femme. Donc pourquoi? Parce que Lane Redmond, c'est une musicienne instrumentaliste, donc elle a joué du tambour, des percussions, mais en l'occurrence aussi du tambour. Elle a associé aussi la forme du tambour au cercle de la lune et elle invite les femmes, grâce au tambour, à vraiment renouer et reconnecter avec leur propre rythme intérieur, avec cette espèce de battement intérieur, cette respiration intérieure. Ça relie aussi
au rythme cardiaque, au rythme évidemment et au cycle des menstruations, au rythme au cycle lunaire, mais aussi au fait que les femmes avaient vraiment un rôle structurant pour la communauté grâce au son, à la puissance du son et aux instruments. Donc ça, c'est très très fort parce que c'est notamment, vraiment là, on est aux racines du féminin guérisseur. On est vraiment aux racines du féminin guérisseur, c'est-à-dire comment, dans les sociétés matriarcales, le féminin, par la connaissance précise et rythmique qu'il avait du temps, des cycles, des différentes phases de la vie et de la création, permettait comme ça une régulation émotionnelle, spirituelle de la communauté. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment, qui va très très loin, qui est une mine de connaissances et d'informations. Alors il y a aussi, évidemment, on y comprend comment on est sorti des sociétés matriarcales pour passer au patriarcat, donc vraiment avec l'imposition de plus en plus de nouveaux dieux qui ont remplacé les déesses, avec aussi une mainmise et presque une interdiction sur d'anciennes pratiques du féminin sacré. Donc c'est un livre qui explique tout ça, qui va aussi nous remettre dans la pulsation du son. Moi, ça me rappelle un peu, à l'origine était le verbe de l'Église, on se remet dans cette pulsation du son, du verbe, à quel point c'est nourrissant, à quel point c'est inspirant, à quel point aussi le rythme et les cycles, c'est quelque chose qui nous recadre, c'est quelque chose qui nous structure, c'est quelque chose aussi qui nous contient, c'est quelque chose aussi qui nous réinforme. Donc on va comprendre grâce à cet ouvrage la puissance du son comme source de réinformation, aussi bien au niveau de nos cellules, de nos corps, mais aussi au niveau de l'organisation, de nos civilisations, de l'organisation dans les familles, dans les foyers, de l'organisation voilà, dans toute forme en fait de structure sociale. Alors en plus, vous avez aussi dans cet ouvrage des illustrations qui ont été faites. Alors je ne retrouve plus le nom de l'illustratrice, mais que j'aime beaucoup. Je vais vous en montrer certaines comme ça un peu en noir et blanc. On comprend aussi, je ne sais pas si vous les voyez bien, vous avez les illustrations aussi qui nous remettent un peu. Donc là, vous avez une femme au tambour, aussi une illustration du taureau. Pour expliquer qu'on était cette fois à l'ère du taureau. On a vraiment énormément de références, énormément de références aussi. On plonge à nouveau, comme le livre de la femme Shakti, dans des civilisations qui sont vraiment des points d'ancrage de la société matriarcale. Donc on va aller en Crète, on va aller en Turquie, on va aller en Égypte. Et du coup, les ouvrages aussi, vous allez voir, ils ont cette capacité, ces deux-là notamment, de se répondre. C'est vraiment pour moi deux piliers de connaissance et de compréhension du féminin sacré, des sociétés matriarcales et aujourd'hui de l'émergence du féminin et avec lui l'émergence de connaissances qui sont oubliées, qui sont archaïques au sens noble, qui sont vraiment, très très anciennes et qui contiennent une sagesse incroyable. Alors ensuite, quand on prend, j'avais cité aussi d'autres livres, je vais vous en reparler en détail. Il y a un livre aussi qui est vraiment un livre qui est génial. Alors je ne l'ai pas ici sous la main parce que je l'ai prêté, que je cite également dans Femmes souveraines, vous allez le voir dans les livres qui sont des livres pour moi de référence, c'est Femmes qui courent avec les loups. Alors, Femmes qui courent avec les loups, c'est un livre qui est d'une très très grande puissance initiatique. Donc il faut savoir que l'auteur, c'est une psychanalyste, aussi au moins elle a cette dimension ethnologique, c'est aussi une conteuse. Et elle va partir de différents contes, de différentes cultures, pour nous amener à comprendre, grâce à certains personnages du conte qui sont symboliques et qui sont des personnages initiatiques, qui vont nous aider à comprendre la psyché féminine. Comment est-ce qu'une femme, elle peut se construire grâce à son énergie masculine, un masculin qui peut être destructeur, comme dans le conte de Barbe Bleue, mais aussi un masculin qui peut être un masculin de lumière, comme dans certains contes, quand on va rencontrer des gardiens ou des masculins qui sont plutôt protecteurs, même des héros, hein, comme des cavaliers qui vont, à contrario de Barbe Bleue, plutôt préserver la psyché féminine.
Femme qui court avec les loups, c'est un ouvrage qui est très fouillé. C'est une thèse de doctorat d'abord qui a été écrite sur, je crois elle a mis plus de 10 ans à l'écrire et à construire cet ouvrage, et qui va vous amener à comprendre. Donc il faut savoir que dans les contes, on va retrouver une structure assez proche de nos rêves. Donc ça va vous amener à comprendre comment est-ce que vous pouvez interpréter certains éléments du conte comme certains éléments du rêve à travers les deux piliers de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. À travers ces deux piliers, donc comment est-ce qu'on évolue au fur et à mesure de notre construction de notre féminin? Donc, on va partir, elle va donner des contes qui vont parler de la dimension de la petite fille. Ensuite, on va parler de la dimension de la jeune fille. Il va y avoir aussi toute une métaphore autour de la mort et de la nécessité de faire un travail vraiment au fond de notre structure, d'apprendre à mourir à soi-même, d'apprendre à vivre des grandes transformations de vie, à laisser derrière soi le passé. Et puis ensuite, au fur et à mesure, à amener aussi à la réflexion sur ce qu'est être une femme, la femme sexuée. Mais surtout, dans l'ouvrage de Clarissa, ce qui est limpide et ce qui est vraiment le cœur de son livre, c'est l'archétype de la femme sauvage. Donc c'est comment est-ce qu'une femme peut se laisser complètement aller, se laisser complètement vivre dans sa nature sauvage, dans ses élans, dans son désir. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme sauvage? Ce n'est pas être une femme nécessairement avec les cheveux en l'air, hirsute et à cavaler dans les bois. C'est plutôt une femme qui est en contact vraiment avec sa nature profonde, avec ses élans et ses instincts, avec ce qu'elle a vraiment dans ses entrailles, c'est-à-dire ce qui est sa vérité, ce qui est son intuition, ce qui véritablement l'amène à se mettre en mouvement, ce qui la pousse à s'exprimer, ce qui la pousse à partager, ce qui la pousse à faire. Et Clarissa, elle a cette extraordinaire connaissance de la femme sauvage. Elle nous montre dans son ouvrage Femme qui court avec les loups comment se mettre à l'écoute et respecter cette dimension sauvage à travers notamment des étapes de solitude qui nous permettent de revenir à soi, qui nous permettent de nous entendre, qui nous permettent de respecter notre rythme. Comment est-ce qu'on nourrit aussi sa créativité? Comment est-ce qu'on apprend à écouter et respecter notre intuition? Voilà, tout ça, c'est de grandes dimensions du féminin sauvage. Et Femme qui court avec les loups, c'est un ouvrage fondateur. C'est un ouvrage qu'on offre à ses amis les plus chers, qu'on offre à ses sœurs, et qui va vraiment nous aider à prendre conscience de nos limitations. Parfois de relations malsaines qu'on peut entretenir, de visions malsaines qu'on peut avoir des énergies féminines et masculines. Donc c'est un ouvrage qui non seulement nous enseigne, mais qui est un ouvrage de guérison, c'est-à-dire qui nous pousse à faire un retournement complet. Il est tellement profond, il a une telle sagesse, il a une telle compréhension de la psyché féminine qu'on ne peut pas ne pas évoluer en fait. C'est vraiment un travail de fond en comble de nos dimensions féminines et masculines. Donc, c'est vraiment un ouvrage que je vous conseille fortement. Il est d'autant plus intéressant de l'écouter, enfin de le lire plutôt en ce moment, et de l'écouter aussi, de l'entendre dans tout ce qu'il a à vous donner, que dans cette dimension du conte, on est vraiment aussi sur le tempo de l'hiver. Donc, c'est le beau moment, le moment idéal pour plonger avec les contes dans toutes les dimensions de nous-mêmes. Et il y a vraiment, alors c'est très très long hein, pour pouvoir le lire, c'est vraiment un ouvrage qui est épais et justement ça nous amène à aller fouiller les dimensions du féminin tranquillement, de prendre notre temps avec le conte, d'aller dans le fond, de comprendre comment on est fait et structuré. C'est pas un ouvrage de développement personnel qui est vraiment sur du miracle. C'est comme le travail que moi j'aime faire. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail qui invite à aller dans les profondeurs. On n'est pas là pour aller chercher des solutions toutes faites. Non. On va aller à travers le conte et les symboles être imprégnés. On va aller entendre des vérités de soi, prendre le temps de nous écouter, prendre le temps de nous rencontrer, prendre le temps de faire fi des influences extérieures. Et avec en plus cette période de l'hiver, plonger dans notre nuit, plonger dans notre inconscient, plonger dans la dimension obscure de notre être pour aller chercher les pépites de notre essence, les pépites de notre expérience.
C'est exactement ça pour au Jardin d'Hespérie. C'est vraiment les contes au coin de feu qui crépitent dans l'âtre avec un plaid moelleux et un thé fumant. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, moi, j'ai ma tisane. Et c'est le temps qu'il faut. Ça nous amène vraiment dans le temps qu'il faut et qui est nécessaire à la transformation. C'est ça que les livres dont je vous parle ce soir ne sont pas des ouvrages qui vous promettent hein, cette leçon de connecter à votre féminin. Ce n'est pas du tout ça. Ce sont des ouvrages, plutôt des ouvrages de fond pour celui de Vicky Noble qui va vous amener à vraiment vous reconnecter à toute l'histoire du féminin et donc à l'inconscient collectif du féminin, toute la, à travers les civilisations matriarcales, comment on a déjà ces connaissances à l'intérieur de nous, à travers notre ADN, parce qu'on est relié aux premières femmes du monde par notre ADN qui continue de vivre en nous, c'est-à-dire qu'on a vraiment les mémoires de toute l'humanité. Par notre inconscient aussi, on est vraiment relié à l'inconscient collectif du féminin. Et à travers quelque part ce tunnel, il y a des connaissances qui continuent de nous parvenir. Et ces femmes en sont la voie, elles sont allées déterrer des connaissances pour nous, pour que nous puissions aller plus loin. Donc moi, c'est des ouvrages qui m'ont vraiment imprégnée et qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui et d'accoucher aussi moi-même de mes propres connaissances et de mes enseignements. Donc là, ça, c'est un ouvrage qui est vraiment sublime. Alors, un autre ouvrage dont j'aimerais vous parler, que j'ai aussi cité dans mes livres, c'est le livre de Daniel Flammenbaum qui s'appelle Femme désirée, femme désirante. Alors, celui-ci, pour le coup, c'est un livre qui est très court, qui est plutôt un livre de poche, mais qui a énormément de fond, et qui est un livre qui va parler de deux notions qui, moi, me sont chères et qui sont essentielles, je trouve, à notre épanouissement en tant que femme. La première notion que ce livre aborde, c'est la notion de la sexualité, puisqu'on est vraiment sur le désir de la femme. Quel est mon désir? Et souvent, on va cantonner l'histoire du désir et le sujet du désir au désir sexuel. Or, le désir, c'est pas du tout uniquement le désir sexuel, hein. Il y a un désir qui est beaucoup plus grand que ça, qui est le désir que j'ai pour moi et pour ma propre vie. Le désir quelque part qu'a la vie pour moi et que j'ai pour moi en naissant et en venant sur Terre. Et le désir sexuel, hein, c'est comme le désir aussi alimentaire, c'est quelque chose qui découle de ça. Et souvent, moi, c'est pour ça aussi que cet ouvrage, il a été éclairant et il m'a apporté. Parce que souvent, en consultation, pendant des années, j'ai eu des femmes qui sont venues me voir pour des problématiques de désir sexuel. Et à chaque fois que je les touchais ou que je les sentais, hein, quand je pratiquais l'énergétique, que je pratique encore mais différemment, j'avais ce message que leur problématique, c'était moins une problématique de désir sexuel, mais plus une problématique de désir tout court. C'est-à-dire qu'en réalité, elles avaient une sorte de déprime latente, ce qu'on appelle une dépression latente, et plutôt un manque de désir en général, comme si la vie était devenue fade et qu'elle manquait de goût et qu'elle manquait de saveur. Et ça, souvent, c'était lié au fait qu'elles étaient déconnectées de leur élan de vie dans leur bassin, qu'elles étaient déconnectées au niveau justement du premier chakra, hein, qui est le chakra racine, c'est-à-dire du point d'énergie qui permet d'être nourri par la vie, d'être relié à la terre et à la vie, au flux de vie. Et qu'une fois les femmes coupées, alors c'est valable aussi pour les hommes, mais qu'une fois les êtres coupés du flux de vie, ben on se retrouve face à des personnes qui ne savent pas du tout ce qu'elles veulent. Donc il y a des doutes, il y a des hésitations, il y a une incapacité à faire des choix, il y a une difficulté à savoir qui je suis, de quoi j'ai envie, où est-ce que je veux aller. C'est parce qu'au niveau de notre racine, de notre socle énergétique et physique, et ben, la personne elle est simplement déconnectée. Alors plus ou moins, ou totalement déconnectée de ce qui la motive, de ce qui la passionne, de ce qui lui donne de l'énergie, de l'élan, de ce qu'elle désire véritablement. Alors ça, c'est un très très grand sujet parce qu'on se rend compte que dans notre éducation, on a souvent été très très imprégné des désirs qu'avaient nos parents pour nous, notamment notre mère, et qu'il faut savoir aussi prendre la bonne distance par rapport à ça et à un moment donné rendre à nos parents leurs désirs. Pour pouvoir se réapproprier quelque part les nôtres. Et dans le livre de Femmes désirées, femmes désirantes, Daniel Flammenbaum va partir des problématiques des sexualités des femmes pour parler de la relation à la mère, de la fusion à la mère et de la défusion qui n'a pas été faite.
Alors ça, c'est un très très grand thème que moi j'aborde beaucoup aussi dans la formation sur les chakras, qui est un thème essentiel parce qu'il faut savoir que autant la fusion, elle est importante, elle est incontournable quand on est un bébé ou un nourrisson. C'est la fusion qui nous permet d'être en sécurité affective, de croître de manière harmonieuse, de nous sentir en sécurité, de nous sentir dans un foyer et un cocon. Mais par contre, avec les années, tous les enfants doivent à un instant, à un moment donné de leur croissance, couper de la fusion avec la mère. Et ça, c'est une étape qui est incontournable. Et si cette étape ne se fait pas, la dimension fusionnelle, elle va encore être présente et elle va empêcher à l'enfant, que ce soit une femme ou un homme, de s'émanciper, de faire sa vie, de pouvoir faire ses propres expériences, d'être autonome en tant qu'individu et de pouvoir réaliser ses désirs. Il semble aussi que dans la formation sur les chakras, tu parles de chakra 2 dans le désir et l'essence en éveil. Oui, exactement, mais par contre, la thématique de la fusion avec la mère, c'est vraiment le premier chakra. Alors, cet ouvrage, du coup, Femme désirée, femme désirante, c'est aussi un ouvrage qui apporte énormément de compréhension sur les mécanismes de désir, du désir des femmes et du travail qu'on a à faire en tant que femme dans la relation à nos mères pour pouvoir nous émanciper et pour pouvoir vivre notre vie de femme. Et elle donne en plus des cas concrets. Donc, il y a plusieurs histoires de femmes qui vont venir éclairer. Vous allez voir, comme beaucoup d'histoires, il y a toujours une partie où on se retrouve. Il y a toujours quelque chose qui va agir avec un effet de résonance et en écho et qui va nous donner à voir et à entendre notre propre histoire. Donc, Femme désirée et femme désirante de Daniel Flammenbaum. Alors, j'aurais beaucoup aimé vous montrer sa pochette et le livre, malheureusement, c'est aussi un livre que j'ai prêté, qu'on m'a pas rendu. Mais vous allez le trouver de toute façon en livre de poche, de manière très accessible. Et il va vous donner des clés précieuses pour vous connecter à votre propre désir ou en tout cas pour commencer à faire ce travail de prise de conscience hein, et de conscientisation du lien à votre mère et de la fusion avec votre mère, si c'est encore le cas. Alors, un autre livre dont j'aimerais vous parler, c'est... Alors, c'est pareil, je suis désolée, j'ai toujours pas le livre avec moi, parce que je l'ai prêté, on me l'a pas rendu. C'est « Rêver l'obscur, femme, magie et politique » de Starhawk. Alors, Starhawk, c'est une femme qui est totalement exceptionnelle. Je sais pas si vous l'avez déjà vue physiquement, et c'est certaines d'entre vous la connaissent. Elle a un physique qui est extraordinaire, elle a un regard qui est vraiment très perçant et pénétrant. Elle fait partie des avant-gardistes dans l'écoféminisme, elle fait partie des avant-gardistes dans le féminisme aussi tout court, dans les années 70. Donc aux États-Unis, c'est une femme qui a revendiqué la pratique de la magie, donc des pratiques sorcières, à des fins politiques. Donc c'est une femme qui va mélanger quelque part qui a allié en fait le fait de mobiliser l'énergie de plusieurs femmes, de mobiliser aussi l'énergie d'un rituel à grande échelle pour pouvoir faire évoluer les structures, les sociétés et donc avoir une utilisation politique de la magie des rituels. Donc pour celles qui me connaissent et qui ont déjà fait des rituels avec moi, moi je l'aborde très différemment puisque j'enseigne plutôt les rituels à titre personnel, à titre individuel, même si on peut le faire avec des amis et des copines ou avec ses sœurs ou en famille. Mais alors elle a hissé la pratique de la magie et du rituel à l'échelle collective. Alors oui, Marianne, elle a complètement raison. Ce livre, il est absolument incroyable. D'ailleurs, c'est un incontournable. Il va vraiment nous montrer la puissance de l'intention, la puissance aussi de la solidarité et le fait de se relier à d'autres personnes. Comment est-ce qu'on peut utiliser finalement la magie du groupe quelque part, l'énergie du groupe, l'égrégore du groupe pour créer des basculements, des transformations à plus grande échelle. Alors, il y a aussi une notion qui est très, très puissante chez Starhawk et que moi, j'adore, que j'ai trouvée extrêmement éclairante parce que c'est une information qui m'était venue et je l'ai uniquement vue dans son ouvrage, c'est qu'elle va parler de cette dimension de rêver l'obscur. C'est-à-dire que c'est véritablement une femme qui est une prophétesse, qui est une visionnaire
et qui va nous parler de qu'est-ce que ça veut dire de rêver de nouvelles images, de rêver de nouvelles formes, de donner en fait de nouvelles visions, de nouvelles formes au monde. C'est comme si avec la puissance de notre psyché, la puissance de notre imaginaire, la puissance vraiment de nos rêves, on a cette capacité à recréer le monde. Alors pourquoi moi est-ce que ça m'a marqué? Parce que c'est un message que j'avais déjà reçu de manière complètement intuitive et je n'avais pas vu cette idée relayée dans des ouvrages. Et c'est la première fois que je le voyais chez Starhawk. Alors, dans le rituel de Marianne chez Bliss Home pour Yule, la puissance du groupe et du cercle. Voilà, exactement. C'est exactement ça avec Bliss Home aussi et tous les événements. Tous les événements aussi qu'on peut faire en groupe et collectivement, ça nous ramène dans ce pouvoir du collectif. Alors oui, aussi Marianne, complètement, Starhawk, elle a aussi parlé de cette puissance du nodant, c'est-à-dire qui est véritablement le pouvoir du féminin. De nous relier à cette infinie, en fait, à ces ressources infinies de l'intériorité. Et ça, c'est quelque chose, quand on le vit, quand on a fait ce travail vraiment de retour à soi, d'introspection, et qu'on a touché du doigt à quel point c'est fabuleux de se rencontrer à l'intérieur et d'observer qu'on est capable de se transformer, ça, c'est véritablement exceptionnel. C'est aussi Starhawk, une des voix qui parle en effet de ce pouvoir du dedans. Donc c'est un ouvrage qui est charnière, hein, qui est aussi, je dirais, un incontournable, qui permet de comprendre beaucoup de choses, qui est aussi très poétique. Il y a un verbe qui est très beau, qui est très clair. Moi, c'est aussi une œuvre que j'aime énormément et que je vous conseille d'avoir dans vos bibliothèques de sorcières. Alors du coup, j'ai aussi évidemment pris le... Alors on change de catégorie, toujours sur les sujets du féminin. Donc le livre de Marianne que j'ai à côté de moi, qui est « Rituel de femme pour s'épanouir au rythme des saisons ». Alors, et ces ressources infinies en soi que les archétypes féminins et que les chakras permettent de développer. Découverte pour moi de 2020. Oui, exactement. C'est vrai que tous ces livres vont nous donner aussi une compréhension, avant de pouvoir le vivre à l'intérieur, si on n'a pas encore vécu, une compréhension fine des archétypes du féminin. Alors, pour vous parler du livre de Marianne, je vais poser ma tasse et je vais vous montrer. Alors d'abord, c'est un livre qui a été illustré par Sonia Kaur, que moi, je trouve une illustratrice vraiment brillante, dans le sens où elle fait des illustrations... très, très belle, vraiment très très jolie. On le voit aussi sur la couverture, je vous montre ça de près. C'est un féminin qui est très rond, qui est très doux, qui est très bienveillant. D'ailleurs, pour les personnes qui ont suivi ma formation, qui suivent ma formation sur les oracles, j'ai parlé aussi du jeu de cartes de Marianne. Donc vous voyez, des illustrations qui sont très évocatrices du féminin, de l'abondance, de la douceur, de la bienveillance, des qualités d'accueil, on va le voir aussi ici. Donc c'est très fleuri, c'est très rond, il y a vraiment toute une rondeur de la femme. Alors, le livre de Marianne, je l'aime beaucoup parce que c'est un livre qui va nous remettre aussi dans cette conscience et cette sagesse des cycles du temps à l'échelle d'une année. Et on va retrouver pour chaque période de l'année et donc pour chaque saison un rituel à faire et une pratique. Il est très doux en fait. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de douceur. Et toute la dimension aussi initiatique des cycles. C'est-à-dire que dans chacun des cycles, évidemment, chaque cycle comporte des qualités. Chacun des cycles nous invite à un certain nombre d'expériences. On ne va pas faire la même chose en hiver qu'au printemps, qu'en été ou à l'automne. Et Marianne, elle a aussi cette dimension chamanique où, grâce à ses rituels et ce qu'elle nous suggère de faire, on va aller dans la nature, récolter, glaner un certain nombre de trouvailles. Donc, elle apprend aussi comment on fait ces balades aussi de cueillettes, de trésors de la nature, comment est-ce qu'on va dresser un autel. Il y a aussi des propositions musicales et voilà, des exercices à faire, des rituels et toute une réflexion sur
la sagesse des saisons, le cycle des saisons, les rituels des saisons. C'est vraiment un livre qui met du baume au cœur, qui donne vraiment beaucoup de douceur. Oui, c'est ça, je me sens lovée dans ce beau livre, c'est exactement. C'est vraiment quelque chose qui permet de vivre et de s'épanouir au rythme des saisons. Et on est aussi dans toute la dynamique aussi de l'écologie, de l'économie, comme une sorte d'écologie intérieure. Comment est-ce qu'on apprend en s'accordant avec le cycle de la nature, à ne pas forcer les choses, à aller vraiment avec le flux de vie. Et donc à respecter ben, nos rythmes biologiques. Alors, celui-ci, il est édité, donc c'est le courrier du livre Rituel de femme pour s'épanouir au rythme des saisons. Et l'auteur, c'est donc Marianne Grasselli Meyer, qui est ici en plus, qui nous écoute, parce qu'elle est là ce soir. Je ne savais pas qu'elle serait là d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment un ouvrage voilà, de grande beauté. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire, Marianne, à ce sujet, puisque tu es là. Je vous montre des très belles illustrations. Très très doux. J'adore. C'est vraiment un ouvrage aussi à offrir. Et d'ailleurs, du coup, visuellement, il nous connecte aussi à la beauté des saisons. C'est parfois une image vaut plus que mille mots, comme on dit. Et le fait aussi d'avoir une image à chaque fois accordée au cycle des saisons, ben, on plonge dans l'univers de la graine ou dans l'univers du fruit. Donc c'est très sensuel et c'est aussi très sensoriel. Hein. Évidemment, on est aussi dans bah, l'ouverture de l'espace sacré, la connaissance du féminin sacré, dans toute cette magie aussi du féminin. Et de... voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sagesse chez Marianne. Et j'ai aussi d'ailleurs son oracle, l'oracle des saisons, hein, que j'ai aussi conseillé dans la formation oracle, qui est vraiment magnifique, qui est très, très doux. Alors, ensuite. On va complètement changer de registre. Une autre livre dont j'aurais aimé vous parler, dont j'aimerais vous parler, dont je vais vous parler d'ailleurs, c'est Les Dames du Lac. Donc ça, c'est totalement différent. C'est vraiment dans la catégorie roman. Les Dames du Lac, c'est de Marion Zimmer Bradley. Alors ça, c'est un livre que j'ai adoré lire. D'ailleurs, c'est très drôle parce que Les Dames du Lac, c'est un des premiers livres que j'ai lu quand je me suis éveillée. Et donc, c'est un livre qui m'a accompagnée, qui va nous parler de toute l'histoire celte. Et en même temps, de l'histoire donc du roi Arthur, de la fée Morgane. On va plonger quelque part dans ce mythe, en fait. On est vraiment entre l'histoire et le mythe, d'ailleurs, à tel point qu'à un moment donné, on ne sait plus ce qui est historique et ce qui est de la réalité. C'est écrit de manière très romancée pour être un roman. Mais en même temps, c'est un roman qui va nous amener aussi à regarder la nature, les enseignements des fées, les enseignements aussi d'Avalon, ça va vraiment changer notre regard en fait. Moi, ce que ça m'a apporté, ça m'a changé mon regard sur la nature. On plonge dans les initiations druidiques, on va comprendre quels étaient le rôle des prêtresses celtes. Oui, Les Dames du Lac, j'en avais aussi parlé en effet dans le podcast. Et c'est un ouvrage en plus que moi j'adore parce que c'est une saga. Alors moi j'adore les sagas, j'adore les ouvrages qui ont des suites, un peu comme les Harry Potter, un peu comme Le Seigneur des Anneaux. Je trouve que quand c'est bien écrit, ça nous permet, en plus d'autant plus quand c'est un peu de la science-fiction, d'éveiller notre imaginaire et d'éveiller aussi notre lien avec l'invisible. Et Les Dames du Lac, ça fait ça. C'est-à-dire que ça va nous permettre de voir la nature de manière différente. On va connecter beaucoup plus facilement au peuple de la nature. On va comprendre aussi quelles étaient les capacités des prêtresses, puisqu'elles détaillent certaines capacités des prêtresses celtes. Elles détaillent aussi les enseignements druidiques. On va voir des descriptions très précises des fêtes païennes. Et du coup, quand on a envie d'en savoir plus et de l'aborder, non pas d'un point de vue mental, mais d'un point de vue de la romance, hein, comme si on plongeait dans une merveilleuse histoire, et ben c'est le très très bon livre pour le faire. C'est un livre qui est très très bien écrit. Alors moi, je l'ai lu deux fois, deux ou trois fois. Et franchement, je le relirai volontiers. C'est aussi une saga que j'ai prêtée et que je n'ai plus malheureusement. Et je pense que je vais les acheter à nouveau. Et Les Dames du Lac, voilà, c'est toute la magie et l'enchantement liés à l'univers des fées,
au domaine aussi, au monde d'Avalon. Donc, il faut savoir que c'est un espace-temps qu'il est possible de découvrir. Et d'ailleurs, quand on va aujourd'hui à Glastonbury, et qu'on va dans la campagne anglaise profonde, et on va retrouver aussi cet univers et cet environnement. Moi, à Glastonbury, j'ai complètement retrouvé les éléments des Dames du Lac. Comme si c'est... Voilà, en tout cas, pour certains, c'est vraiment une dimension qui est aussi réelle que notre réalité quotidienne. Donc ça, c'est les Dames du Lac. De quoi je pourrais vous parler? Alors, complètement dans un tout autre style. Est-ce que vous avez des questions déjà peut-être sur les ouvrages que je vous ai cités? Je pense que je vous ai cité. Ah oui, il y avait une passion aussi que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est aussi un roman. Alors, c'est très, très différent, mais je mets cet ouvrage dans la catégorie, pour moi, du féminin sacré parce que c'est très, très bien écrit. Donc, c'est une passion de Christiane Singer ou Singer. Je ne sais pas du tout comment on prononce son nom. Et ce livre, il est d'une très, très grande beauté. Il est d'une très, très grande beauté parce qu'elle raconte une grande histoire d'amour d'Héloïse et Abélard. Donc on va plonger dans cette histoire d'amour avec un vocabulaire et vraiment un feu ardent. Et je le mets pour moi dans le féminin sacré parce que ça pourrait être vraiment de l'ordre d'une initiation de Marie-Madeleine, par exemple. Et c'est vraiment la grande histoire d'amour. On va plonger vraiment dans la beauté aussi, de la passion charnelle, de l'interdit. Et je trouve que c'est un roman qui est quelque part un roman et un écrit initiatique pour les femmes, pour s'autoriser aussi à vivre l'amour sans concession et sans culpabilité. C'est un peu le thème. Et puis bien sûr avec aussi ces envolées lyriques de l'auteur, il y a vraiment beaucoup beaucoup de beauté dans le vocabulaire, beaucoup d'inspiration. Et c'est vraiment un ouvrage que je recommande fortement. Est-ce que d'abord, vous avez des questions peut-être sur juste ces références du féminin? Je regarde au coin du feu. Oula, la caméra penche. Je dois être un peu de travers. Oui, une pépite qui se savoure sur le long terme. Alors, désolée, ça chavire un peu. Alors, Clarissa Pinkola Estes a bouleversé mon été avec Femmes qui courent avec les loups. Oui, c'est un livre qui bouleverse complètement. Alors, j'ai un ouvrage, c'est vrai, de Marie-Madeleine. Est-ce que je l'ai ici? Vous voulez un ouvrage sur Marie-Madeleine? Ça m'intéresse beaucoup. Alors, attendez, dans ce cas-là, il faut que j'aille le chercher. Et avant d'aller vous chercher, je pars avec vous deux à Glastonbury. Alors, avant d'aller vous le chercher, je vais parler d'un petit livre, petit ouvrage qui est Mon cahier astro. Bon, je vais vous parler parce que je le trouve très très bien fait. C'est un autre style, complètement différent, que j'aime beaucoup parce qu'il est justement très girly et très féminin. Je vais vous montrer un petit peu le style. Donc ça, par contre, c'est les éditions Solar. Et ce qui est très intéressant dans Mon cahier astro, c'est que vous allez avoir une initiation à l'astrologie de manière très simple. Et notamment à l'astrologie lunaire. Donc évidemment, vous avez plein d'informations. Ça va vous parler des maisons, des planètes. Donc des maisons. Oui, moi j'ai un grand mug parce que je bois toujours beaucoup de tisane. Ça va vous parler de la lune noire, de comment écouter les messages du ciel, comment tenir un cahier astrologique. Donc il y a vraiment beaucoup 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 d'informations très très précieuses sur les signes et les planètes, sur aussi vraiment, alors là c'est très très féminin. Il y a aussi tout un accompagnement pour débusquer les trésors cachés de son signe, de son thème astrologique. Et donc c'est Mon cahier astro qui a été écrit par une journaliste qui est Sophie Hérol Petitpas dans la catégorie Feel Good des éditions Solar. Et je dois vous dire que j'ai été vraiment agréablement surprise parce qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, mon livre « Femme souveraine » est vraiment très complet. Merci beaucoup. Alors, oui, « Femme souveraine », bon, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, le voici. Je ne sais pas si c'est un... Je l'ai déjà présenté peut-être plusieurs fois plutôt en story, mais c'est vrai qu'on y retrouve
beaucoup aussi d'éléments du féminin, alors aussi bien sur la connaissance des pierres, la connaissance aussi du cycle lunaire. On va retrouver toute une partie aussi, on peut faire des invocations aux déesses, quelles sont les déesses à invoquer, comment le faire. On va retrouver aussi une initiation au chakra aussi. J'y ai mis évidemment les conseils lecture que je vous ai donné. J'ai mis aussi les animaux totems. Alors ça c'est très intéressant, c'est comment contacter notre animal totem, comment jouer avec lui aussi, quels sont les symboles des animaux totems, qu'est-ce que ça veut dire. Donc vous avez toute une partie ici sur les animaux totems. On va retrouver tout un travail aussi avec les rêves, un travail aussi avec les rituels astrologiques. Donc comment faire des rituels en fonction de son signe astrologique, mais aussi des périodes astrologiques, hein. Donc en ça, je reçois aussi ma consœur Marianne sur aussi les cycles astrologiques et les cycles du temps. On va retrouver ça. Mais surtout, c'est vrai que Femmes Souveraines, on a voulu le faire. Donc c'est une co-création. Il faut savoir que quand on fait un livre avec une maison d'édition, il y a un gros travail aussi par les illustratrices, par Lara Bozzo aussi, qui est la maquettiste, par Anne. Il y a aussi les illustrations de DS et de la couverture par Anna Manda, qui est une magnifique illustratrice. Et on a voulu un univers magique, bleu nuit, avec beaucoup de beauté, bleu nuit et or, cette inspiration-là, pour que vous puissiez voir. Pour vraiment plonger en fait, dans la beauté du féminin, on a mis aussi de belles illustrations de déesses. D'ailleurs, ces illustrations de déesses, on peut aussi les déposer comme ça, hein, vraiment mettre le livre de cette manière sur son autel. Quand on a envie d'invoquer une déesse, ça la personnifie. J'y ai mis aussi les rituels à faire avec les plantes pour accompagner le cycle des menstruations. On a aussi, alors ça c'est génial pour la nouvelle année qui arrive, tout un calendrier lunaire avec les dates les plus importantes du calendrier lunaire. Donc tout est bien explicité. Et puis des tableaux aussi, un tableau pour suivre son cycle de lune et aussi les périodes de créativité liées au cycle. Bon, ça c'était mon petit aparté là sur mon ouvrage Femmes Souveraines. Alors il y avait un autre livre dont j'avais envie de vous parler qui est Plantes de sorcières. Donc Plantes de sorcières, ça a été écrit par Clémentine Desfemmes, qui est une ingénieure agronome et qui en plus, alors ça j'aime beaucoup du coup, on a vraiment la dimension scientifique de la connaissance des plantes, mais aussi la dimension sorcière, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un livre d'abord dont j'aime beaucoup la couverture, cette couverture aussi bleu nuit et or, ça m'inspire, moi j'adore. Et en plus, à chaque fois pour les plantes, on va retrouver comment les utiliser dans des rituels. Quand les semer, quand les récolter, on va retrouver à quelle période de l'année ou à quelle période de la lune on va pouvoir les cueillir, les récolter. Et puis on va retrouver à chaque fois des rituels. Donc des rituels liés à l'amour, liés à la vie professionnelle, des rituels aussi pour la santé. Donc si j'avais à vous donner quelques plantes qu'elle aborde, donc là vous voyez, il y a toute une partie sur les préparations magiques à faire avec les plantes et les fleurs. Quelle est aussi, c'est quelque part aussi une bonne pratique, des bonnes pratiques à avoir. Comment est-ce qu'on préserve ses plantes et ses fleurs? Comment est-ce qu'on fait des bains, de rituels de purification, comment est-ce qu'on peut créer des baumes avec les plantes et les fleurs. Donc elle va parler de plein de plantes. On a par exemple ici l'absinthe, on va trouver aussi l'alchimie, on a retrouvé aussi la belladone, qui est une plante qui a fait couler beaucoup d'encre. On va retrouver aussi parler du châtaignier. On va parler également, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La datura, qui est vraiment aussi une plante de sorcière. Il y en a vraiment plein, il y en a plein. Il y a la lavande, l'hysope, la lavande, je l'ai déjà dit, la mandragore aussi. Vraiment ces plantes de sorcière qui sont qui fascinent en fait depuis très très longtemps. Et elle m'en parle avec beaucoup de détails, elle donne beaucoup d'exemples. En plus, c'est illustré. Donc ça aussi, c'est chouette. Vous voyez, on a la petite icône côté jardin, côté récolte. Elle parle aussi des plantes en fonction du cycle et des
fêtes annuelles, des fêtes celtes annuelles. Donc, elle fait aussi des correspondances. Et donc, il y a toute une partie aussi historique, on va dire au-delà de l'histoire aussi des us et coutumes, quelque part des usages avec ces plantes. Comment créer, par exemple, un bouquet protecteur de la Saint-Jean, comment créer des talismans. Donc, c'est aussi un ouvrage que je trouve très, très intéressant à avoir comme une petite bible pour avoir à côté de soi et faire ses propres tisanes, onguents avec les plantes. Donc, précisément, elle parle de 45 plantes qu'elle relie à un savoir ancestral et à des pratiques de magie et qu'elle remet dans cette histoire, quelque part, des sorcières tout en modernisant leurs usages. Alors, je pense que j'ai fait un bon petit tour. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... autre ouvrage que je me note. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur les ouvrages que j'ai présentés? Alors, je crois qu'on m'a demandé quand même un livre de Marie-Madeleine. Je vais voir si je peux vous le ramener. Je vous laisse une petite seconde. Il est sous la main. Donc, c'est celui-ci, c'est le livre de l'élu, donc Marie-Madeleine de Kathleen McGovern. Alors, on m'a parlé tout à l'heure de celui de... bonne soirée, Marianne. On m'a parlé de celui de Jean-Yves Leloup, je ne l'ai pas lu. J'ai lu, par contre, celui-ci qui se lit comme un roman que j'ai trouvé intéressant. Il y a aussi un autre ouvrage que j'ai commencé et que je n'ai pas fini qui s'appelle Maria May. Qui est un ouvrage aussi qui est une canalisation des enseignements de Marie-Madeleine. Je ne suis pas vraiment... alors, l'évangile de l'amour incarné de Marie-Madeleine, je ne le connais pas. Je ne connais pas l'évangile incarné. Il est de qui? Est-ce que c'est de Jean-Yves Leloup? Quel était le nom du dernier livre sur les plantes? Alors, sur les plantes, c'est « Plantes de sorcières ». Je ne connais pas je ne sais pas si l'évangile de l'amour incarné de Marie-Madeleine, est-ce que c'est celui de Jean-Yves Leloup, de quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Je ne suis pas, pour être honnête, une spécialiste. J'en ai lu en fait, ceux que j'ai lus, pour être honnête, je n'ai pas été suffisamment emportée pour le mettre en référence. Mais ça, c'est très, très personnel. Après, je sais qu'il y en a qui m'ont énormément aidé, donc je voudrais pas vous... Alors, il est debout. Ah non, je ne l'ai pas lu. C'est Maria May, c'est ça. Moi, je connais Maria May. Si c'est celui de Laurence de Bourbon-Parme, je l'ai ici. C'est Maria May, mais j'ai pas d'autres. J'ai commencé, j'ai pas terminé. Alors, est-ce que vous avez des questions, peut-être juste sur les livres du féminin que j'ai présentés? Il y a aussi un petit ouvrage dont je peux parler aussi pour terminer, qui est trop mignon. C'est le manuel de la petite sorcière. Alors, celui-ci, il a été écrit par Judith Vieille, qui a aussi créé un lieu magnifique à Paris qui s'appelle Moon, qui est dans le 18e. Et ça, c'est un ouvrage avec des potions, des formules magiques et des rituels sacrés, plutôt pour les enfants ou les toutes jeunes. Hein. Moi, je le trouve très, très, très mignon, très bien fait. C'est aussi un beau cadeau. Alors, on n'est plus vraiment dans la période de Noël. Mais ça peut être aussi pour un anniversaire, par exemple. Voilà, elle donne des petits rituels pour avoir confiance en soi, pour des petites filles. Moi, je trouve ça très chouette, avec des jolies illustrations. Voilà, donc le manuel de la petite sorcière, ça peut être aussi un manuel qu'on met entre les mains de sa fille, si on a envie qu'elle s'initie à des pratiques. On va retrouver en plus de ça aussi une compréhension aussi des plantes. Vous allez retrouver aussi les plantes principales. Donc, les plantes de la pharmacopée qu'on peut avoir aussi chez soi, comme la verveine, le thym, la sauge et l'ortie. On va avoir aussi... donc, ça, c'est le biais de la sorcière. On va avoir des informations également sur l'astrologie. Alors, pour celui sur le féminin sacré, celui que je conseille, ben, je l'ai donné, je les ai donnés en tout début. Lily, est-ce que tu étais là au tout début du live? Je l'ai donné, c'est celui de Vicky Noble. Je les ai donnés, sinon tu pourras regarder à nouveau le live. Il y a celui de Vicky Noble et celui... Enfin, j'en ai cité plusieurs. J'ai cité celui de Clarissa de Pinkola Estes sur Femmes qui courent avec les loups. J'ai redonné aussi celui de La femme tambour. Donc, les références pour s'initier, je les ai données. Tu pourras reprendre le live de toute façon. Je vais le partager dans mon espace et tu verras toutes les références. Eh ben merci, je pense qu'on a fait le tour et qu'on a fini.
Est-ce que vous avez une dernière question? Non, malheureusement. Alors, j'ai pas compris non, malheureusement, quoi. Donc, si t'as pas vu le début, ben, c'est pas grave, tu pourras le revoir. Je disais que je partageais le live dans ma story. Bon, alors, si j'ai pas de questions, je vais m'arrêter ici pour ce soir. Alors, le prochain live, ce sera la semaine prochaine au sujet des chakras cette fois. Je ferai tout un live au sujet des centres d'énergie que sont les chakras. Probablement la semaine prochaine, j'ai pas encore déterminé de date. J'espère en tout cas que vous avez passé tous un joyeux Noël. Je sais pas si vous avez eu des livres pour certains en cadeau, certains ou certaines. Si c'est le cas, ben, belle soirée à toi. Merci de cette belle liste. Merci à toi. Il y a une question plus haut que je n'ai pas vue. Pour débuter. Ah oui, je n'ai pas de livre concernant Hildegarde de Bingen. Non. Je ne l'ai pas. J'adore cette femme. J'ai écouté pour elle plutôt des émissions sur France Culture. Mais pour être honnête, je n'ai pas lu. Et c'est aussi une référence extraordinaire du féminin sacré, en effet. Bon, alors je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci d'avoir été là. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci.